Nous sommes venus au nom de la direction du Parti communiste français pour protester contre l'arrestation et les poursuites intentées à Santiago Carrillo, secrétaire général du Parti communiste d'Espagne. Nous sommes venus pour demander sa libération immédiate, la libération des autres dirigeants communistes et la légalisation du Parti communiste d'Espagne. Il ne peut en effet pas y avoir de démocratie, de liberté en Espagne si tous les partis politiques ne sont pas légaux et notamment si le Parti communiste d'Espagne, qui a consenti tant de sacrifices pendant près d'un demi-siècle pour la liberté et la démocratie en Espagne, n'a pas tous les droits de s'exprimer et de poursuivre une activité politique parfaitement conforme.